l'acide et puis conserver nos semences 2 semaines, 3 semaines. Oui, moi je les conserve 6 mois. Voilà, c'est un peu les aspects qui nous intéressent, nous, avec les... Non, ça tu peux le faire, tu peux le faire. Dans le cadre de la diffusion. Ouais, tu peux le faire. Mais tu as une autre façon aussi, alors il y en a plein des façons. Hein. Je t'ai dit, l'eau, tu la, tu la fais bouillir, 60 degrés, tu vois, tu tiens pas ta main dedans, hein. À 50 degrés, tu peux arriver à tenir, une vingtaine de secondes. Donc, disons, tu viens de faire bouillir, tu attends 5 minutes, tu fous toutes tes graines dedans, le lendemain matin, tu vides, tu fais sécher, tu mets dans des sacs et c'est fini. Avec l'acide, ou avec l'eau bouillante, tu as encore une autre façon, c'est de prendre tes graines, de les mettre dans une toile moustiquaire, tu fais bouillir, c'est en train de bouillir, tu les trempes dedans 5 secondes. Tu trempes le sac dedans 5 secondes et tu les sors. Ça, c'est nouveau. On a essayé un peu toutes les combines et ça marche très bien aussi. Alors, c'est un effet choc là parce que ça boue. La température est très élevée. Tu les laisses très peu de temps, faut pas tuer le germe. Quoi. Et ça suffit à ramollir les tégures. Voilà une autre façon de faire. Aussi, après, on peut les conserver. Après, tu les conserves tant que tu veux. Ça a simplement ramolli les tégures pour que le germe puisse sortir. Jusque-là, ce qu'on faisait, c'est que. On avait les graines, on les conditionnait, on les envoyait aux planteurs qui étaient, eux, supposés les traiter. Mais si, alors là, ça fait que par ici, il y en a un qui le fait bien, il y en a un autre qui ne le fait pas bien, et ça donne ça. Ben, là, du coup, on va ça me permet de me greffer sur un truc évident, c'est que maintenant, dans vos opérations de diffusion et tout ça, on devrait pouvoir, au fur et à mesure que vous avancez sur le semi-direct, c'est que quand les mecs se baladent à vélo, là, ils rentrent dans une épicerie, ils trouvent un paquet de stylos, des paquets de stylos de... 100 grammes, de 300 grammes ou de 20 grammes, ils en achètent 5 s'ils en ont besoin de 5. Mais on devrait commencer à trouver ça. Et ça devrait être conditionné avant d'arriver chez l'épicier parce qu'après, les gens vont prendre, ils ne savent pas, il y a le petit détail qui tue. Le mec qui va payer, puis ça ne va pas germer dans son champ, il est furieux. Donc je veux dire, mais moi je pense beaucoup à ça, c'est-à-dire dans tout ce qui vend des intrants et toutes ces machines-là, il faudra penser à toutes ces plantes que vous utilisez. Il faut qu'on les retrouve là, au niveau des magasins, quoi. Le mec à vélo, il vient chercher ses plantes. Voilà. Là, on aura fait un grand pas, parce que là, ça ira vite après. Mais tant que c'est toi qui les amène, tant que c'est toi qui arrives dans le village avec tes semences, tu t'amènes avec ton truc, bon, c'est bien pour montrer, pour confirmer pendant 2 ans, 3 ans, les gens ont vu, on leur montre comment ils peuvent planter ces plantes de couverture, comment les récolter. Mais attention à ces petits détails, là, parce que ou ça germe ou ça germe pas, alors là, les gens ne sont pas contents, quoi. Ils ont raison. Et il y aura forcément celui à qui on a repassé des semences qui n'a pas été prévenu, quoi. C'est le détail. Mais c'est le détail qui tue, parce que ça donne une plante par-ci par-là. Alors que quand on les traite, que ce soit à l'acide ou à l'eau chaude, c'est comme le stylo 184, là. Lui aussi, tu rates jamais. Hein. C'est difficile de rater le stylo. Mais par contre, tu ne le traites pas, on te dit qu'il germe, ben, il germe une graine sur 100, oui. Il ne germe pas. Hein. Alors des fois, comme tu le sais, mais que les graines sont toutes petites, tu arrives à avoir un truc à peu près correct. Il ne faut pas faire ça. Par rapport au festival, à l'eau chaude, normalement, il faut semer sur sol humide ou bien semer arrosé ou bien. Parce que. Si on peut les conserver. Et puis on sèche, quoi. Non, tu sèches tu resèches tes graines. Parce qu'effectivement, comme vous dites, là, nous, on avait fait avec la clonique, je crois. Le lendemain, on a constaté qu'il y avait déjà. Ça commençait déjà à semer, quoi. Ah oui. Et quand on a semé, on a donc été obligé d'apporter de l'eau. Moi je ne les traite pas, les dolics. La dolique, c'était plutôt pour être sûr que... Ah oui, d'accord. Mais avec les graines qui ont des dormances légumentaires, c'est-à-dire beaucoup de légumineuses, ça n'a aucune importance. Parce qu'aussitôt que la lumière maintenant va rentrer, que le sorgho, là, il va sécher ses feuilles, il y a de l'eau dessous, là, tu vas voir un peu comment le bracaria et la légumineuse vont pousser. Et c'est ça qu'on leur demande, c'est de faire un maximum de biomasse. Et si possible, après la récolte de la plante qui nous intéresse. Donc ça, c'est pas gênant. Par contre, ce qu'on peut pas, c'est avoir des gros trous. Elle a deux défauts. La première, c'est que commercialement, pour moi, ça vaut pas un clou. Si tu la mettais sur le marché mondial, tu pourrais pas la vendre. Si les riz d'Inde arrivent au Sénégal par bateau à des prix très bas, avec la qualité qu'ils ont, avec ça, tu peux pas compétir. Tu peux pas faire de compétition. La deuxième, le gros défaut agronomique qu'elle a, c'est que quand elle produit beaucoup, elle fait ça. Elle va tomber. Alors maintenant, moi, j'ai créé des fils de B22. Je les appelle les fils de B22. J'ai fini déjà. Ça fait 4 ans que je suis dessus. Et donc, j'ai créé des riz qui sont comme B22, cycle très court. Même des fois, un petit peu. Il y en a une ou deux qui sont un peu plus courtes que lui, de 5 jours. C'est beaucoup. Mais enfin, 85-90 jours. Ici, elle fait quoi? Ça vient des pieds, là. On tire 70 jours, là. 70 jours. La date de semis. Enlève 70 jours à aujourd'hui. Ça y est, tu l'as. 70-80 jours.
70, 75 jours. Ouais, là, il a 2 mois et demi, là. Donc, tu peux savoir la date de semi, si tu veux. Hein? Et il a semé quand? Certainement en juin. Fin juin? Ça doit être en juin. Il a semé ça en fin juin. Juin, à juillet. Fin juin? Presque la récolte. Début juillet. On y est, les mecs. Hein? Tu vois que j'ai pas besoin de savoir quand est-ce qu'il a semé parce que je peux le retrouver tout simplement. Donc, maintenant, on a des riz comme ça. Je vais te les faire voir ce soir, tu vas voir ces riz. Des qualités de grains extraordinaires. Des budgets. Hein? Des budgets. Voilà, bon. On disait, je cherchais 1er juillet, à dire. On était à 3-4 jours. Bon. Mais je le sais avec la plante. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces nouveaux riz, ils ont des grains formidables. Il y en a quelques-uns, il y a des grains, moi j'ai jamais vu des grains comme ça. Vous avez eu Espadon? Espadon, oui. Eh bien, c'est aussi long qu'Espadon, il y en a un qui est plus long que lui encore. Espadon. Tu vois, il est plus costaud que l'Espadon. Et surtout, l'Espadon, il casse quand tu le. Qui est principalement le riz avec 3 niveaux, de 0 kg à l'hectare, de 50 kg à l'hectare et les 100 kg à l'hectare qui sont amenés à dose moitié, c'est-à-dire à 2 niveaux, à 2 segmentés. À 2 apports. Avec 2 fractionnés. Le premier apport était apporté le 15e jour, le 14e jour après l'élevé, et la seconde dose était apportée au 44e jour après l'élevé lors du butage. Bon. Et chaque unité expérimentale a une superficie de 20 mètres carrés, espacée l'une de l'autre de 1,5 mètres. Et les propriétés séparées aussi de 2 mètres. Tu veux que je te donne des résultats avant qu'on le visite? Vous pouvez donner. C'est pas très difficile parce que ça existait déjà il y a 8 ans. Un essai tout à fait similaire, presque au même endroit, au pied des rochers comme ça là, sur les Hardets par ici. Il y avait une parcelle, je ne sais pas où elle était. Il n'y a rien à voir avec tout ça. Qui est celle de dire, est-ce qu'il n'y a pas des plantes qui poussent là-dessus et qui sont capables de faire le travail des charrues, ou peut-être encore mieux, qui vont rendre le sol vivant, parce que pour le moment, il n'y a rien, hein, à part quelques bœufs qui se baladent par-ci. Et en transformant ce milieu, si ça ne nous coûte pas grand-chose, avec des plantes intelligentes, qui sont de la biomasse, il y en a qui peuvent fixer de l'azote, d'autres qui travaillent avec des systèmes fasciculés, des systèmes racinaires. Alors, il est venu voir Non, mais d'accord. Mais écoutez, ce qu'on fait, c'est que moi, si vous voulez, je marche, je vous écoute. Mais on fait ça rapidos parce que je connais déjà les résultats. Et puis après, demain, par contre, quand vous aurez vu comment on peut faire autrement, comment on peut faire complètement différemment. Nous, l'érosion, c'est pas notre problème parce que nos sols sont couverts. Donc nous, on sait qu'on n'en a pas, l'érosion. Sûr. Alors que là, c'est pas garanti. Parce que le sol, là, ici, il y a un pourcentage de couverture du sol qui est faible. Bon, donc demain soir, ce que je vous propose, c'est que quand on va voir les autres points, on va regarder les deux approches et puis on fait un truc intelligent, on regarde un peu ce qui est très différent entre l'un et l'autre. Vous savez très bien aussi que le fumier, le gros problème du fumier, c'est qu'il n'y en a pas pour tout le monde, que si on avait des propriétés avec beaucoup d'animaux dessus, il y en aurait pour 10%, juste 10-15% de la surface. Si on avait des gros élevages dans toutes les petites propriétés. Et puis le gros problème du fumier, c'est que quand on le met dans un sol déstructuré comme celui-là, et dans ce genre de sol-là, et qu'on laboure, qu'on travaille le sol, eh bien on accumule, la matière organique n'augmente pas. Et elle reste stable. Donc ça veut dire, tout marche par rapport à la biologie et à la matière organique que vous avez mis là-dedans. C'est tout. Ce qui fait marcher ça, c'est la biologie. On peut le faire autrement. Moi, je ne mets même pas de fumier. Vous allez voir qu'on peut faire. On peut gagner du carbone en pagaille dans une parcelle, beaucoup plus qu'en mettant, même si vous mettiez 40 tonnes de fumier, vous l'enfouissez dans un climat comme celui-là, avec beaucoup d'eau et de la chaleur, la matière organique n'augmentera jamais. Ça veut dire que quand vous ne pourrez plus apporter votre fumier, eh bien, il se passera, votre sol il va redevenir ce qu'il était. Ça redeviendra le sol ardé. Alors, je ne vous dis rien de plus, je vais marcher avec vous là, vite fait. Et ce qu'on fait demain soir, vous verrez comment on aborde ce genre de sujet autrement. Et vous verrez, après on pourra estimer les coûts, les possibilités de tout ça. Et on fera, demain soir, on peut discuter un peu mieux. Sur ces questions-là, quoi. Des densités, des trucs, tu peux tout faire. Mais sur un truc où en première année, tu as un facteur limitant, fertilité générale, il n'y a rien qui pousse, je veux dire, bon, ton coton, on voit que c'est mieux si tu mets de l'engrais, mais quelle est la réponse au facteur que tu étudies, là? Elle est vraiment très faible, quoi. Tout est aplati par le manque de fertilité. La réponse est masquée par une fertilité générale trop basse pour du coton. Donc on a perdu un an, à mon avis. Non? Non, mais c'est sûr. Donc, comme on sait comment on doit faire, comment on sait comment on peut faire, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Sol très pauvre, pourri, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre avec des plantes de couverture, les cesbanias, ce que vous voudrez, tout ce qui pousse bien ici, tu fais ça pendant un an,
Pourquoi pas même 2 ans plus... Ce que je ne comprends pas, c'est que quand tu as de l'espace libre, qui t'empêche? Qui empêche qui? Comme on n'y fait rien, qu'est-ce qu'on fait ici? Du feu. C'est le feu de saison sèche. C'est super comme spéculation. Là. Ça rapporte beaucoup d'argent. Tu as le feu qui passe partout, qui crame tout. Voilà, c'est tout ce qu'on fait. Bon, écoute, qui empêcherait, si on était des gens conscients, et si on arrivait à convaincre les agriculteurs, vous voulez cultiver? Ok, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va se planter, vous avez un terroir de combien? 30 hectares. On va, vous faites rien, on va planter les 30 hectares avec du cesbania, du machin, du truc. Et puis on le laisse 2-3 ans si tu veux, laisse-le. Le stylo, c'est pareil, le bracaria, c'est pareil, tu plantes 5 hectares de bracaria, tu plantes du bracaria, tu laisses. Le bracaria va pousser en 2-3 ans, c'est une couverture du sol, une régénération colossale. Et tu attaques au fur et à mesure là-dessus, alors quelle est la meilleure plante? Sur le bracaria, on peut mettre du coton, ça marche très bien. Il n'y a plus de sarclage. Votre, au bout de 2 ans, là. On peut anticiper quoi sur la culture. Tu as qu'à mettre ces plantes-là au lieu de que le feu passe. Vous savez que le stylo a une autre propriété. Je racontais dans la voiture. Vous êtes content du stylo là. J'ai dit ah oui la fertilité. Les mecs me regardaient là. Mais j'ai dit comment c'est pas bien. Vous avez regardé le riz, il va faire 4 tonnes. Le type il dit si. J'ai dit vous avez pas sarclé. Non on n'a pas sarclé. Pas de travail. Rien zéro. Pas d'engrais. Rien zéro. 3 tonnes, 4 tonnes. Putain c'est formidable. Mais il y en a un qui vient. Le vieux il me dit mais ce qui est bien. Hein, c'est que le feu ne passe pas. J'ai dit comment le feu ne passe pas? Il m'a dit oui, les gens ont mis le feu comme tous les ans. Hein. Le feu est arrivé, là il y avait des feux, des flammes jusqu'à 10 mètres de haut. Le feu est arrivé, il est arrivé dans le stylo, il s'est arrêté, hein. C'est fini. Le stylo a coupé le feu. Il dit alors c'est super, on a protégé les villages, déjà, avec le stylo, ils en ont planté partout autour. Et il dit maintenant on met des barrières, on ne veut pas que le feu rentre. Ah ben j'ai dit ça c'est bien, mais moi je ne pensais même pas à ça. Donc c'est aussi une qualité particulière. Mais bon, quand on a des espaces qui sont... Quand on a des espaces vides, pourquoi n'anticipe-t-on pas et on dit, tiens, on met des plantes régénératrices là, et puis on les attaque au fur et à mesure, doucement. Mais laissez-les travailler pour le sol. Et couvrir le sol, parce que le gros intérêt des bracarias, c'est que s'il est resté 2 ans au même endroit, un bracaria, mais vous savez ce qui se passe, quoi. Le coton qui vient dessus, c'est zéro. Vous desséchez, c'est fini, il n'y a pas de travail. Le sarclage, il n'y en a aucun. Un des facteurs limitants de la culture cotonnière, c'est tout ce travail qu'il y a à faire après quand même. Si on se met à faire 60 jours de main-d'œuvre, de sarclage, de machin, de trucs, eh bien le bracaria, il y a zéro. Moi, je vous ai même proposé un truc, on ne l'a pas fait encore. Vous voulez que je vous le fasse? Mais bon, il y a tellement de schémas déjà que vous allez vous perdre. Vous êtes en train de vous perdre. Mais moi, je vous monte un système avec du chien dedans. Des écotypes de chiens dents qui vont résister en saison sèche ici et qui sont verts, que les animaux peuvent manger en vert. Le bracaria va mourir ou il ne va pas donner de biomasse, le chien dents est vert. Le chien dents c'est très résistant à la sécheresse. Je vous montre un truc où on fait du coton tous les ans sur du chien dents. Oui, oui. Pendant la saison sèche, le chien dents travaille. Et son impact est plus important que la culture cotonnière dans l'année. Et qu'est-ce qu'on a à traiter? Une mauvaise herbe, c'est le chien dents. Parce que lui, il n'y en a pas d'autre avec lui. Donc on va gérer une mauvaise herbe qui sert de fourrage pour les animaux après. On sort le coton, les bœufs bouffent. C'est quand même pas mal, non, comme système, ça. Et il revient tout seul. Les premières pluies arrivent, il va couvrir tout le monde, il bouffe toutes les mauvaises herbes. Il n'y a personne qui vit avec lui. Tu n'as plus qu'à gérer une plante, au lieu d'en gérer 50 chaque fois. C'est des systèmes qu'on peut faire. Je vous ai montré l'Axonopus, là-bas, tout à l'heure. Celui qu'on a vu au Sarré, là. Les petites pelouses, là. Et je l'ai revu aussi hier, je ne sais plus où. Ça, c'est une plante, en plus, qui pousse à l'ombre. C'est-à-dire que si tu la mettais dans les couverts, là-dessous, là, là où le bracaria peut être gêné, lui, il n'est pas gêné. Hein. Il te fait des couverts parfaits et il est pérenne, ce Axonopus, là. Il est comme un chien dent, il est aussi costaud que les chiens dents. Il pousse à l'ombre, tu peux donc l'associer avec une autre plante. Et ensuite, eh ben, tu le gères aussi avec des microdoses d'herbicides pour le calmer, pour que le coton pousse tranquillement. C'est des systèmes fantastiques. Je vais vous montrer les photos quand je vais faire ma restitution. Vous avez vu ces sols-là, et puis juste dessous, il y a des carapaces. Ça veut dire la disponibilité de l'eau, les racines qui n'arrivent pas à les pénétrer. Il y a des endroits où elles sont épaisses comme ça. Les racines ne pénètrent pas, ça veut dire que même s'il a beaucoup plu, 8 jours après, c'est tout sec. Hein. Et puis, il n'y a plus d'eau pour les plantes, ni pour le coton, ni pour personne. Donc, les gens ne sont pas fous. Avec les techniques traditionnelles, ils ont laissé tomber, quoi. Mais je dis non. Le semi-direct, justement, permet ça. C'est que lui, il laisse des couvertures quand elles sont bien faites dessus, qui permettent que l'eau ne s'évapore pas. L'eau ne ruisselle pas, donc elle pénètre, on fait la réserve d'eau. On ne perd pas d'eau par ruissellement, on n'en perd pas par évaporation. Donc on peut faire du riz, d'ailleurs on l'a montré ici. Quand j'ai dit que je voulais faire du riz, le chef du village qui est là à côté, là, est venu ici, il a dit... Il a écouté tout ce que je racontais, je disais qu'on allait faire du riz ici. Quand j'ai eu fini, je me rompis, j'ai jamais oublié. Il m'a dit, mais le CIRAD, il a rien d'autre à faire que de gaspiller son argent. Il a dit ça.
Mais il a raison. Parce que ce que je racontais, ça paraissait complètement fou. Mais non, on a changé ça. Et c'est pas ça qu'on demande dans le changement climatique aujourd'hui. Avec le semis direct, on change l'aire géographique des cultures. Je m'explique. La tradition avec du labour et tout ça, vous faites quoi? Du sorgho, du mil, un petit peu de coton, mais pas terrible, hein. Et puis quoi? Un peu de niébé, c'est fini. Vous êtes condamné, c'est la fatalité, à faire ça tous les ans. Parce que l'eau, vous la perdez, vous perdez les éléments nutritifs, vous perdez la matière organique, vous perdez tout. Avec le semis direct, c'est un cheminement complètement inverse. On stocke toute l'eau, on évite qu'elle s'évapore, on régénère la fertilité organique des sols et la vie biologique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je fais rentrer du riz et du maïs dedans. Eh bien, dans une région où il n'y en a jamais eu, où ça n'a jamais poussé, maintenant on fait pousser du maïs et du riz. C'est pas deux nouvelles cultures? C'est pas deux cultures importantes, là où apparemment c'était impossible? J'espère qu'on va avoir du riz là tout de suite, il y en a dans le dispositif là. Donc une chose qui paraissait complètement folle, eh bien, on voit comment ce système de semis direct a changé les relations avec l'eau, la façon des plantes de se nourrir. Donc des gens qui étaient condamnés ici à aller acheter du riz parce qu'on ne peut pas le faire pousser ici, ils aiment bien pendant les fêtes en acheter, et puis s'ils pouvaient en manger tous les jours, ils en mangeraient. Ils ne peuvent pas en manger parce que ça ne pousse pas. Faux. Avec ce système, ça pousse. Ça veut dire qu'on peut mettre d'autres cultures qu'on n'avait pas avant. Ça veut dire que les gens peuvent. La pauvreté, voilà comment on lutte contre la pauvreté. Et quand le climat va changer sur cette planète, ben le semi-direct qui permet de faire beaucoup plus de cultures va permettre de répondre à ce changement climatique. C'est des systèmes tampons qui permettent de tamponner les variations climatiques interannuelles. Mais ce truc-là, moi, je ne l'aurais pas fait. Enfin, je te le dis, hein. Tu le devines bien. Hein. Moi, je ne ferais pas des trucs comme ça parce que si on était dans un bon sol, ou les sols de forêt de Toubourou, par exemple, là-bas, la première année, avant qu'on les dégrade, parce que les Toubourou, en 3 ans, ils vont disparaître. Hein. Dans 3 ans, ça va être 4 ans, c'est de la brique, hein, c'est fini. Hein. Désertification de la zone de Toubourou, vous le savez. Hein. Maintenant, si on rentre en semi-direct tout de suite derrière la déforestation, et si on met des bucunas et tout, au défrichement, là, si t'es un mec humble, sérieux, un scientifique même, tu dis, putain, ils ont fait un miracle, les mecs, là. Alors bon, on va voir combien ça coûte tout ça, mais moi je voudrais que ça, faut que ça avance quoi. Alors mettons le paquet là-dessus. Alors on va essayer de l'améliorer encore, mais je veux dire, c'est un miracle qui s'est passé ici. Donc on va travailler tous ensemble et pas les uns contre les autres sur un truc comme ça. Non, très souvent c'est ah, gna, 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 gna. Et moi je suis pas d'accord avec ci, moi je suis pas d'accord avec là, et tu fais quoi toi? T'es d'accord avec rien, tu fais rien. Bon, ben alors rentre chez toi et puis laisse-nous bosser quoi, je veux dire. Ceux qui sont critiqués, c'est ceux qui travaillent. On est d'accord? Si vous faites rien, on vous critique jamais. Bon. Mais regardez-moi, moi je vous dis ça et ça. Ça, ça parle. Et ça. Donc là, il n'y a rien. La tradition n'a rien trouvé pour faire. Et vous croyez que c'est très cher ça? On peut regarder les coûts, hein, vous verrez. Je ne le semer. Il revient dans la culture d'après. Tu peux faire riz, l'année d'après tu fais du maïs, il revient dans le maïs tout seul. Tout seul, il revient. Il se ressème tout seul. Donc tu n'as plus besoin de le rapporter. Alors ça, c'est un système riz-maïs. On ne resème pas les plantes de couverture, elles se ressèment toutes seules. Et tu ramasses 3 tonnes de maïs, 3 tonnes et demie de maïs aussi, 3 tonnes de riz, voilà. Il y a zéro intrant. Et en temps de travaux, c'est ridicule, quoi. Alors là, les gens, on avait 5 hectares, on est passé à 80 hectares, 250, l'année prochaine, ils veulent faire 1000 hectares, et c'est parti. Là, on n'a pas besoin d'aller encadrer les paysans, il faut qu'on t'explique tout. Le mec, t'as pas besoin de l'expliquer, là. Le mec, il vient chez toi, il dit, où sont les graines, là? Elles sont où, là? J'ai besoin des graines, là. Je veux la variété, je veux le stylo, il vient t'emmerder tout le temps, on ne peut pas répondre à la demande. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et c'est par là que je dis que la diffusion spontanée va se faire. C'est quand les agriculteurs eux-mêmes vont se mettre à courir, s'échanger les technologies entre eux, là. Et là, ça va courir parce qu'ils ont envie de la faire. Et ils ont le matériel génétique pour le faire. Mais si c'est, il faut mettre 3 encadreurs sur un paysan pour essayer de... La nervure centrale, ce serait le contraire. La nervure du milieu serait décolorée, elle serait très claire. Si j'en trouve, je vais vous le montrer, parce que j'ai déjà vu des carences en zinc ici aussi, des déficiences. Et chaque côté de la nervure, donc la nervure serait toute claire au milieu, et de chaque côté, ce serait chocolat, marron chocolat, des plaques de chocolat. Ça, c'est le zinc. Quand la feuille commence à se décolorer comme ça, ça peut être le manganèse. Alors, moi, je veux voir s'il y a des traits de pyrogravure. Voilà, vous voyez, il y a des traits de feu, là, entre les nervures qui commencent à... Et ton manganèse, il ne passe plus. Mais le zinc et le manganèse ont à peu près les mêmes courbes, dans les mêmes conditions. C'est les deux seuls. Après, les autres, ça n'a rien à voir. Les autres sont plutôt plus solubles. Dans les façons de le faire, c'est comme le braquarien, il ne faut pas qu'il fasse de compétition, tu peux décaler le braquarien un peu, mais tu as une autre façon de faire. Tu sèmes tes lignes de riz, et entre les lignes de riz, tu sèmes le braquarien, mais plus profond. Le braquarien, tu peux le semer jusqu'à 7 cm de profondeur, il naît. Il est capable de sortir à 7 cm de profondeur. On a fait des essais. 2,5, 5,
tout calibré. Il fallait voir, mesurer avec centimètres et tout, c'était des essais de précision. 2,5, 5, 7,5, 10, on a été jusqu'à 15 cm de profondeur. À 15, il a du mal à sortir, mais il arrive à sortir encore. C'est vraiment une bête. Sol léger. Oui, sol, ouais. Bon, enfin, c'est quand même une plante très costaud. Alors, tu prends ton Brachiaria, tu le sèmes en même temps que le riz, et tu prends une variété à cycle très court. Parce que plus la variété à cycle court, moins la compétition est importante entre les deux cultures. Le riz échappe très très vite. Et tu mets ton Brachiaria plus profond. Tu vas te sortir un Brachiaria, pas aussi beau que ça, mais presque, et tu vas sortir 2 tonnes de... Alors, il faut mettre un peu plus d'engrais que si tu le mettais sur le riz, tout seul. Pourquoi? Parce que tu vas nourrir, tu vas mettre du phosphore en plus pour le Brachiaria, un peu de potasse en plus pour le Brachiaria. Alors, au lieu de mettre 150 kg de NPK ou 200 kg, tu vas en mettre 300 kg. Donc, il y en aura pour le riz, et il va rester pour le Brachiaria. Et lui, ça va l'aider à implanter ses racines profondément pour qu'il puisse tenir sans mourir pendant la saison sèche. C'est ça le truc important. Ok? Et là, maintenant qu'on va rentrer en saison sèche, tu as cueilli le riz, tu payes l'installation de ton pâturage. Et toi, tu as du pâturage, regarde ce qu'il y a de l'autre côté. Et là, les bœufs peuvent venir bouffer. On ne peut pas en mettre des bœufs là. Tu imagines ça pour les bœufs? Où est-ce que tu as de la biomasse comme ça pour les bœufs? Et maintenant, tu peux amener des troupeaux entiers. Alors les gens qui amènent tous les troupeaux, on dit, ah, ils mangent tous les résidus là derrière, sur les sols dégradés là où on fait le coton là. Les sols sont complètement surexploités, pourris. Et on a des milliers d'hectares qui sont vides, on ne sait pas quoi y faire dessus. Mais refaites cette technologie de mélanger le Brachiaria avec le riz. Un riz de cycle court, prends un B22 Primavera, voilà. Et tu mets plus d'engrais. Et tu vas regarder après combien de temps le Brachiaria, il va tenir derrière le pâturage. Il faudrait qu'il tienne 3 ans, quoi. Ce serait bien. Une fois qu'il va être pâturé, tout ça, il va, en saison sèche, bon, s'il y a une bonne réserve d'eau, il tiendra un moment, puis après, tu ne vois plus. Mais quand il va pleuvoir, il doit revenir. Il doit revenir tout seul. C'est pas normal de le ressemer. Nous, quand même, ce qu'on a fait, c'est de mettre le Brachiaria, le stylo, tout ça, au moment de l'épiaison. Sur le Brachiaria. Le Brachiaria, il ne va pas grossir beaucoup dans le riz. Donc, il n'embête pas le riz. Quand tu ramasses le riz, là, la lumière pénètre, alors là, il pousse comme un fou, et ça fait une biomasse terrible. Et tu installes le riz et le Brachiaria, et après, tu as le Brachiaria pendant 5 ans. 5 ans de Brachiaria qui pousse, que tu peux exploiter pour l'élevage. Et la cinquième année, enfin 4 ans, la cinquième année, tu reviens avec riz Brachiaria. Et chaque fois, le riz te sert à payer l'installation du pâturage pour 4 ans devant. C'est superbe. Après, tu dépenses rien, tu fais manger tes animaux. Il faut les gérer en faisant tourner sur le pâturage, mais c'est un truc superbe. Eh bien, on peut le faire. Qu'est-ce qui manque pour comprendre? Il y a quelque chose quand même. Donc voilà une plante qui peut te servir à faire du riz derrière, quoi. Tu as tiré doucement? Doucement. Mais il fallait tirer un peu fort parce que c'était ancré. Ah oui, c'était ancré. Mais regarde, viens voir. Mais comment il y en a? Tu vas voir. Et on en a laissé beaucoup dans le sol. Regarde si c'est joli. Toutes les petites boules qu'il y a là. Regarde ça. Regarde les boules. La fixation d'azote gratuite. Voilà une plante intéressante. Alors moi j'ai découvert, bon je la connais il y a très longtemps, c'est moi qui l'ai amené en Asie, partout. Mais dans des sols exondés. Et puis là, on était dans des rizières au Cambodge. Et puis on en a mis quand même pour rigoler. On a dit on verra bien. Et puis la nature nous répondra. Hein. Moi, j'ai pas d'a priori. Hein. En principe, je pense qu'elle ne marchera pas. Puis elle était fantastique. Regardez là, elle est dans la plante. Regardez cette légumineuse. Et ça étouffe les mauvaises herbes. Donc dans les carrés, il faut aussi travailler avec elle. Parce que si on veut bouffer les cyperus, qui donnent beaucoup de sarclage aux paysans, là, elle va les étouffer, elle va fixer de l'azote, on plante dessus l'année d'après. Et là, on va coincer les cyperus et on va avoir 40 ou 60 unités d'azote cadeau. Elle domine les cyperus. Oui, bien sûr. Les cyperus, c'est-à-dire toute la population de cyperus. Mais regarde si c'est beau. Là. Regarde d'ailleurs, tu vois qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse, les cyperus peuvent pousser. Regarde, les voilà, des pieds là. Donc voilà, c'est des cyperus, ça. C'est des cyperacées, ça. C'est ceux que tu retrouves dans la rizière. Centrosoma. Où il avait plus moins. Et le riz s'en fout. Tu as bien vu qu'il s'en fout. L'année dernière, il était beau aussi. Hein. L'année dernière, on avait plus de problèmes de calage de cycle et puis de. Hein. Mais si tu as des 90 jours comme cela, les bonnes années, les mauvaises, ça passera. Et il vaudrait mieux qu'il pleuve un peu moins. Ce sera encore plus beau. Ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. L'effet racinaire, puisque tu as été chercher de la paille, tu l'as posé, mais il y a un effet anti-mauvaise herbe qui est terrible. Eh oui,
Et donc, si tu veux, la paille que tu as rapportée, ça sert à charger d'humus et autres. Ça peut se transformer en humus si tu ne l'incorpores pas dans le sol. Mais c'est surtout pour contrôler les mauvaises herbes, quoi. Son effet, c'est ça, c'est mauvaises herbes. Les vignas, ils tiennent pas. Les vignas foutent le camp. Donc, dolique plutôt que vignas s'il y a des pressions de 5. Et puis, la dolique se mange. C'est-à-dire qu'elle a exactement le même comportement que l'autre, là. Sauf que tu vas récolter au mois de décembre, à un moment peut-être où ils en ont besoin, tu vas récolter des protéines. Et il n'y a que la blanche qu'on mange. Je vous l'avais dit il y a 3-4 ans. Et puis maintenant, on vous en a envoyé un gros paquet, là. Il y en a 15 ou 20 kilos qui viennent d'arriver chez vous. Et donc, ça, c'est très bien. Voilà une plante qui est vachement intéressante. Et les vignas rampants. Alors, dans les vignes rampants, on a choisi justement celle qui tenait le mieux aux insectes, aux attaques très tardives d'insectes et tout. Quand il n'y a plus rien à bouffer autour, ils viennent se mettre sur les vignes. Et là, ils te les détruisent, ils te sucent les graines et tout. Et donc, on en a 5 ou 6. Alors, tu les associes avec le sorgho, avec le maïs. Et là, eux, ils vont prolonger le cycle que tu récoltes au fur et à mesure que les trucs sont bonnes. Et là, tu as une vraie couverture de sol. Ils font de très belles couvertures de sol, comme font les doliques. Sauf que les doliques les font plus tard parce qu'elles résistent plus à la sécheresse. Donc là, tu as deux armes pour manger. Manger, les deux mangent, tu manges bien, et en plus tu couvres bien les sols. Et tu auras des résidus pour contrôler tes mauvaises herbes. Toujours pareil, cet objectif mauvaises herbes, je ne veux pas mettre d'herbicide dedans, et puis je ne veux pas m'emmerder à dépenser 60 jours. Donc si tu veux, elles vivent ensemble, si elles bouffent de l'eau, bien sûr. Mais si tu veux, mais c'est tout quoi. Et alors il vaut mieux faire les systèmes que je te disais, c'est-à-dire faire des doubles lignes, tu vois, où tu as le même nombre de pieds de maïs, ils sont magnifiques. Mais tu as un peu plus de lumière entre les trucs pour que les deux plantes profitent bien de cette association. Et non pas une qui, dans des conditions, s'il fait un climat un peu trop humide ou je ne sais pas trop quoi, le maïs part à toute vitesse, il te fait de l'ombre dessous, il n'y a plus rien qui pousse, quoi. Et donc, c'est la deuxième culture qui n'a pas bien poussé. Le sol n'est pas couvert, ça y est, on rentre dans le cycle des mauvaises herbes et tout. Donc, les systèmes en double ligne, ils sont vachement bien. Puis, c'est pas une grosse. Tu as vu là-bas, il avait aligné il avait fait des lignes là-bas. Là-bas de l'autre côté. Donc, regarde là, c'est un peu. Là, il y a peut-être des lignes possibles, on pourrait faire des. Mais ça, quand il y a 2, 3 ou 4 épaisseurs, ça se décompose très lentement. Aussi lentement que les cannes de céréales. Et donc ça couvre. Le tout, c'est que des animaux ne viennent pas bouffer. S'il n'y a pas d'animaux, ben, tu vas voir. Ça fait déjà un très bon travail. Au niveau de certaines parcelles, même dans le site, on est arrivé à des situations où la maturité intervenant très tôt, ça fait donc s'il y a des pluies, après qu'on ait récolté à un moment donné. D'accord, mais je ne te parle pas de ça. Je te dis vigna rampant, comme cela, à cycle long. Okay. Et donc on va regarder à Pitoa les vignas qu'on a. Et si vous n'avez pas les variétés qu'il faut, qui ont des cycles décalés par rapport au maïs, c'est-à-dire que tu ramasses ton maïs, l'autre il pousse avec, mais il a un cycle très décalé après le maïs. Donc il va te produire une première série de panicules, quoi, de gousses, et puis après il t'en produit encore devant. Il continue à produire, tant qu'il y a de l'humidité, il t'en produit. Donc les mecs ramassent, ils ne font pas la récolte en une seule fois. C'est bien d'ailleurs pour les gens du village, parce qu'ils font une première récolte, après ils viennent pour la deuxième, ça fleurit tout le temps. Mais tu vas voir, hey, le sol est complètement couvert, quoi. Avec ces vignes dont je parle, ils ressemblent à ceux-là. Hein. Ça laisse des résidus, hein. Vraiment. Hein. Ça veut dire, l'année qui vient, tu mets un coton ici, tu n'as pas besoin de recharger, quoi. Il n'y aura pas beaucoup d'air. Alors qu'un soja, et ce qui fait la durabilité de la paille, de la couverture de ça, c'est que c'est des lianes qui se lignifient, et que ça ne se décompose pas comme ça. Quoi. La variabilité des insectes, des ravageurs et tout ça, et des maladies. Un des problèmes des vignas, c'est les insectes. Quand dans ces vignas-là, qui ont des cycles un peu plus longs, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les autres cultures sont ramassées, tous les insectes viennent sur les cultures qui restent. Donc, ils vont venir sur le vigna. Alors là, tu as des coléoptères, tu as plein de choses qui viennent et qui te les bouffent, et qui vont te sucer les grains et tout ça, et là, il faudrait traiter je ne sais pas combien de fois. Alors, bon, il y a une autre plante, c'est la dolique. Alors, on associe la dolique avec le maïs, et la dolique, elle a un cycle décalé vers le sec. Elle va faire sa grosse biomasse comme la mucuna. Le maïs que vous avez monté, maïs mucuna, il vaut mieux faire maïs dolique blanche. Parce que maïs dolique blanche se mange. Vous allez cueillir 800 kg, 500 kg, 600 kg de légumineuses. C'est quand même vachement important. Et elle se consomme, et elle est très bonne, la blanche. Les rouges ne se mangent pas. Même les malgaches qui sont habitués aux doliques, les rouges ne sont pas bonnes. Moi, j'ai goûté à tout. Bon, moi, je ne suis pas un critère, peut-être, mais quand même, je goûte à tout pour savoir, quoi. Et je reconnais que les rouges, c'est difficile à avaler, quoi. Mais les blanches, non. Les blanches, elles sont meilleures. Là, il faut bien les faire cuire, tout ça. Mais c'est des légumineuses, très riches en protéines, c'est vachement bien. Et elles font exactement le même travail que lui, et elles font le même travail que la mucuna. Et surtout que la mucuna, parce qu'elles vont venir maintenant, après la récolte du maïs, la dolique va faire la même chose. Elle va couvrir et elle n'est pas sensible aux insectes. Vous verrez que s'il y a les deux côte à côte, vigna et dolique, les insectes vont manger ça, ils ne vont pas toucher à la dolique. Donc c'est une plante qui garantit au moins les attaques d'insectes pour être sûr d'avoir la couverture. Celle-là, si elle est très attaquée, elle n'a pas fini d'arriver au bout, elle a la couverture. C'est vrai que là, il n'y en aura pas beaucoup parce qu'elle s'est fait attaquer prématurément.
Donc, les doliques sont très bien. Et c'est le même système que la mucunaire. La mucunaire, vous n'en mangez pas. Alors, vous ne mangez pas la mucunaire quand même. Hein? Mais on peut. Hein? C'est des inhibiteurs de trypsine. Il faut les faire bouillir. Hein? Tu les mettrais dans une marmite. Mais par contre, on peut alimenter. Alors, si c'est des musulmans, non. Mais si ce n'est pas des musulmans, s'il y en a qui ne sont pas musulmans, on peut faire de l'élevage de porc. On fait bouillir les graines de mucuna et c'est très très bon pour les porcs, par exemple. Ceux qui en ont. On a une série de choses, on peut le refaire au niveau expérimental pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui font ça. Mais on ne va pas y arriver dans 10 ans. Enfin, on va pas y arriver. Moi, je ne suis pas dans le coup. Si vous voulez, moi, je vous le résous le problème, mais comme ça n'intéresse personne, vous n'avez qu'à continuer. Hein. Dans 5 ans, vous me rappellerez, je serai vieux, mais je viendrai quand même pour vous le résoudre. Il y a beaucoup de cailloux, c'est des sols, ils sont partis. Hein. Il y avait 30 cm d'épaisseur de sol dessus, là. Il y a, je sais pas moi, 60 ans, quoi. Il n'y en a plus. Et on va descendre encore un peu plus bas. C'est clair. Je crois que là, voilà une belle démonstration. Des fois, on essaie de la reconstituer alors qu'on n'a pas le droit de le faire. Là, c'est les mêmes parcelles qui ont été gérées par le... Là où il n'y a pas de couverture, ben, c'est clair. Hein? Mais vas-y, chef. Non, il nous faut un âne devant. Je vais te raconter, juste une minute, je vous raconte une histoire. Vous savez que les Corses, on dit que les Corses sont feignants. On dit ça, c'est faux bien sûr. Mais les Français disent oui, ils disent que c'est des feignants qui ramassent des subventions que la France leur envoie, c'est la France aussi. Ils disent que les Corses, c'est des mecs spéciaux, ils sont un peu mafieux, ils sont un peu voyous sur les bords. Quand la communauté européenne distribuait des primes, le mec il avait 80 vaches. Quand les mecs arrivaient là-bas, il n'en avait pas. Alors vous savez ce qu'il faisait? Quand il savait que le mec de la communauté arrivait, il allait chercher les vaches du voisin. De tous les voisins, il mettait 60 vaches chez lui. Et puis le lendemain matin, il remettait les vaches chez l'autre là-bas. Donc il gagne pour 60 vaches. Non, non, mais c'est des mecs très très forts. Mais on dit qu'ils sont aussi un peu feignants, quoi, des fois. Et un jour, il y avait un Américain, un gringo, là, qui était en vacances en Corse. Et il était assis sur une colline et il faisait une route. Et lui, il était sous son arbre, là, il trouvait que le pays était beau, c'est un très beau pays. Et il regardait la route, comment il faisait la route. Juste en dessous, l'Américain, là, à l'ombre. Et puis, il voyait, il y avait un âne devant, un âne. Un âne qui marchait là devant la route et on avait l'impression que les mecs faisaient la route derrière l'âne. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Je rêve ou quoi? Qu'est-ce que font ces gens-là? C'est dans la montagne. Hein? Donc, bon, l'âne, il sait suivre, lui, c'est les chemins qui l'intéressent le plus. Et apparemment, la route suivait le truc. Alors, l'Américain, il descend. Il voit le mec qui commandait le chantier, là, le Corse, il lui dit, bonjour monsieur, je suis Américain, tout ça. Bon, l'autre, il commence à le regarder comme ça parce qu'ils n'aiment pas beaucoup non plus les étrangers chez eux. Il regarde le mec, il dit, ouais, ouais, alors. Alors, le mec, il lui dit, oui, je regarde de la route. Je pense que vous faites la route, vous suivez l'âne. Il dit, mais c'est ça. C'est ça, monsieur. Vous avez bien vu. Oh. Alors l'Américain, il dit, mais il a cru faire le malin. Il dit, et comment vous faites quand vous n'avez pas d'âne? Alors le Corse, il dit, eh ben on prend un ingénieur. Bon, il faudrait. Oui, oui. Regarde, c'est des sclérotes, ça. Cloche, ouais. Oui. Sclérotinia probablement. C'est diaporte, le champignon. C'est sclérotinia, diaporte. Il y a des secteurs où c'est important. Il faut essayer de déterrer quelques pieds. C'est les journées où il pleut beaucoup. Les où il pleut plus que d'habitude. Morte descendance. Ça veut dire elle commence en haut, elle te sèche toute ta plante. Regarde. C'est du colétotrichum. C'est de l'anthracnose. Et il vient les années humides. Anthracnose. Alors ça, bon, mais c'est des anecdotes. Je veux dire, on perd du temps, là. Il y a un pied tous les c'est kilomètres. Le SMI, le pouce. Non. Et on va le voir tout de suite. Je vais te demander de faire un effort, c'est d'aller m'arracher un pied, là-bas. Je vais te montrer pourquoi. C'est non. Essaye d'arracher un pied, là-bas. Allez, attention, hein, tu peux poser ton carnet, parce que tu vas avoir à faire un effort, hein, je te le dis. Il pèse 80 kilos. Il présente un intérêt limité. Il ramasse beaucoup l'anthracnose, lui. Lui, là. Aussitôt, bon, s'il était dans une poche ou un peu plus d'argile, là c'est du sable, ça va très bien. Et si c'était plus argileux, tu verrais, il peut très bien sécher. Vous avez des ronds qui sèchent comme ça. Comme on a vu sur le soja là-bas. Ben, c'est de l'anthracnose. Et donc, lui, son gros intérêt, c'est de le mélanger avec lui, avec le brancaria. Alors là, vous faites un pâturage où il y a le sucre, c'est lui, avec les protéines. Et les deux, ils vivent très bien ensemble. Voilà. Donc, si vous voulez faire évoluer un peu ces collections-là, faites une parcelle de brachiaria mélangée avec lui. Son nom, Macroptilium atropurpureum. Hein? Son nom. Macroptilium. Le Macroptilium. Ok. Ah, vous voulez. tu lui as photographié les amygdales, j'ai vu. Ouais, ouais. Il avait la bouche ouverte. Ouais, ouais. C'est pour fixer de l'azote. Pour faire des trous dans le sol avec un pivot.
Ah ben, moi, je les mélangerai, je ne la ferai pas toute seule. Tu as vu qu'on avait fait ça sur les Hardés, c'est bien. Eh ben, il faut les mélanger avec la Juncea ou avec, avec le Cajanus qui est là-bas. Parce que le Cajanus qui est là-bas, tu as oublié de dire, c'est que c'est un fourrage extraordinaire. Alors lui, ce que tu peux faire, là, j'y reviens, on finit le repas. C'est ici. Là, je t'ai dit, tu mets du girafe avec lui, avec le bras carrière. Deuxième chose fantastique, et là, on a des millions, des dizaines de milliers d'hectares au Brésil là-dessus, c'est le bras carrière avec le cajanus. Les deux vivent ensemble, protéines plus... Alors ça marche très très bien. D'accord? Les deux mariés, là. Et tu peux les faire pâturer ce que tu veux. L'année prochaine, ils sont là tous les deux. Et il y a des protéines plus les sucres, quoi. Alors ça, ça fait des mélanges fourragers. Et puis ça fixe de l'azote. Et même pour la couverture, c'est très bien. Si on veut s'en servir que comme couverture. Donc le bracaria peut se mélanger à celui là-bas. Il peut se mélanger au cajanus. Ça, c'est parce qu'on a des animaux et tout ça. Si on n'a pas d'animaux, on peut le faire avec de la crotte à l'air. Voilà. Et si tu le fais avec de la crotte à l'air, il y a des chances que les animaux, ils n'aiment pas. Parce que la crotte à l'air, ils n'aiment pas. Et il risque de te conserver ta couverture, donc tu ne la feras pas manger. C'est pour ça qu'on fait des crottes à l'air. On a utilisé beaucoup de plantes. Moi, j'ai travaillé depuis 15 ans là-dessus. C'est de trouver les plantes que les animaux ne mangent pas. Et qui font des bénéfices au sol. Comme ça, tu es sûr que là, les animaux peuvent passer, ils ne t'emmerdent pas. Donc là, si tu ne voulais pas qu'on bouffe le bracaria, il faut avoir une bonne densité de la crotte à l'air. Les animaux vont venir là pour bouffer, pour crier entre les deux. Ils n'aiment pas trop ça. Tout ça. Bon, sur des bords de rivière, des alluvions, il y avait des bracaria magnifiques. Et les gens avaient de l'arachide. Ils faisaient des arachides très très belles avec des cycles longs qui produisaient beaucoup plus de 2 tonnes hectares. Et alors je regarde des trucs et au moment où je suis arrivé, il faisait sec déjà et les gens arrachaient les arachides. Alors, tchort, avec des trucs, c'était dur et tout ça, putain. Et je vois le bracaria à côté, je dis au mec, j'appelle le chef de village, il vient avec un autre chef de village. Je lui dis, tu sais ce que tu peux essayer de faire, c'est de planter l'arachide sur la paille du bracaria. Ah ouais, ouais, on va essayer. Ok, je suis d'accord, on va le faire. Bon, les mecs, ils plantent. Putain, quand j'étais dans l'avion, je dis, hey, mais tu es fou, mec. Qu'est-ce que tu as dit au mec? Et les gynophores, comment ils vont faire? Il y a une couche de paille comme ça. Et j'étais dans l'avion, j'étais pressé d'arriver à Paris pour téléphoner, quoi. Pour dire, fais pas ça parce que ça. Et puis, finalement, je suis arrivé à Paris. J'ai parlé avec mes copains qui sont allés voir le mec. Il a dit, ça fait rien, j'essaye quand même. Et alors là, j'ai tiré des photos, j'ai des photos extraordinaires. Tu as une couche de paille comme ça, tu vois les gynophores qui sortent, qui traversent la paille, qui vont ensemble. Et alors là, mon frère, l'arachide est beaucoup plus grosse parce que le bracaria a fait une grosse macroporosité. Les gousses sont beaucoup plus grosses. On a pris 50% de rendement en plus. Et pour l'arracher, tu fais ça. Tiens, tiens, tiens. Tu soulèves tout ça à la main. Donc les gens gagnent 80% de temps de travaux pour arracher l'arachide. Et la production est plus élevée. Superbe. Mais j'ai eu très peur. Tu vois, hein. J'ai dit, putain, comment les gynophores vont traverser tout ça? Ben, les gynophores, alors tu as des photos extraordinaires. Tu vois les gynophores qui sont sortis. Donc la fleur qui est redescendue et puis qui a traversé toutes les couches. Et qui a été mettre ces arachides au bout qui pendent là, on a sorti tout ça avec la matière, avec la matière organique dessus là, du bracaria, mais c'était magnifique. Donc ça marche très très bien. Mais là je te dis, j'en bouffais beaucoup. Hein. Donc on a démarré avec les SCV ici en 2002 sur les parcelles d'expérimentation que nous avons laissées un peu par là. Nous avons immédiatement évolué pour attaquer avec la diversification que nous avons là, donc une parcelle de collection où nous avons installé du soja, du tournesol. Et je crois que cette fois-ci, peut-être, ce sera la semence que M. Segui va donc reconnaître, parce que le porc a l'air d'être nettement plus intéressant que les tournesols que nous avons vus. On va lui demander $60 ou $70 pour planter un hectare, parce que les messieurs de je ne sais plus qui, de Cargill ou de Monsanto, sont venus pour leur donner pour leur dire, ah ben, planter, surtout planter, on s'occupe du reste. Là. C'est ça, oui. Donc, c'est assez rare d'avoir des variétés qui tiennent la route. Donc ça en est, j'en ai 4 autres, puis je suis en train de les, je les ai mis partout dans le Brésil, et je regarde un petit peu comment elles sont, puis bon, ça je pourrais vous les faire passer aussi. Mais vous en avez déjà une d'azote, et après tu fous ton coton ou du maïs dessus, ou ce que tu voudras, quoi. Et t'as pas de sarclage, c'est ça l'histoire, ne pas sarcler, ici ça doit être l'enfer, ici. Là, les mauvaises herbes, c'est l'enfer, c'est clair. Et c'est des cyperacées qui dominent tout ça. Nous avons une légumineuse là, que nous avons appelée pois mungo. Oui, tu as bien fait, c'est ça. C'est un Phaseolus striata, peut-être. Striata ou le mungo, oui, c'est l'un ou l'autre. C'est des petites graines orange, jaune, là. C'est vert. Vert, oui, ou vert, oui, oui. Alors, c'est avec ça qu'on fait les pousses de bambou, les pousses de soja. Vous savez ce qu'on appelle les pousses de soja et qu'on mange? Vous ne connaissez pas ça, vous? Non. Mais les Européens connaissent ça. Et quand tu vas dans les restaurants, on mange des pousses de soja. Ah, c'est pas des pousses de soja, c'est des pousses de ça. Alors ça, tu les mets à tremper dans une bassine pendant la nuit. Toute une nuit, tu les mets dans l'eau.
tu en mets une bonne couche dans une bassine. Le lendemain matin, tu les sors, tu les poses sur un truc humide et elles vont faire des pousses grandes comme ça. Ça pousse très très vite, la pousse. Et c'est ça qu'on mange, c'est très bon à manger. Et c'est très nourrissant. Il y a toute la réserve de la graine dedans, c'est vachement nourrissant et c'est très agréable, c'est comme de la salade quoi. Sauf que c'est blanc. Mais c'est ça, c'est très prisé en Europe. Donc il y a des gens en Europe qui l'achètent, je ne sais pas où. Et bon, et vous voyez, ces plantes-là sont costauds, hein. C'est des plantes qui résistent aux maladies, à tout. Ouais, mungos. Mais c'est un striata, quoi. C'est un Phaseolus striata. Il y en a plein d'espèces. Il est joli, d'ailleurs. Et c'est exactement ça qui fait les pousses de soja. Quelque part, quand les pluies vont commencer à freiner, là, tu aurais pu planter de la dolique dedans. Maintenant, il y a de la lumière, regarde. Les feuilles sont en train de sécher, il a ses épis, tout. Tu plantais de la dolique dedans, tu devrais le faire, d'ailleurs. Personne ne t'empêche de le faire, hein. Oui. Maintenant, là. On a du riz, là, on va essayer de voir comment... Non mais je m'en fous, moi. C'est pas de ça que je te parle. Pourquoi tu veux me vendre du riz? Tu veux me vendre du riz, moi? Hey. Non mais je te dis, je te reparle de tes plantes, là. Tes plantes que tu as ici. Je te dis que la mucuna, c'est pareil. La mucuna, si tu l'as plantée maintenant dans du maïs là-bas ça doit marcher, essaye-le. Au moins, elles vont te pomper l'eau du sol, elles vont tout couvrir, elles adorent le soleil qui vient maintenant. Et l'année prochaine, tu as une grosse couche de biomasse au-dessus du sol, tu n'as pas de mauvaises herbes. Votre problème ici, c'est les mauvaises herbes, elles vont vous bouffer complètement. Et ça, tu sais ce que c'est ça? C'est du basilic. Basilic. Ouais. Ça aussi, je peux te dire. Et ça, ça coûte cher en France. Ouais. Avec du poisson frais. Ouais, ouais, c'est du basilic, ouais. Donc, ça se cultive ça aussi, hein. Eh, hey, chef. C'est une culture aussi. Bon. Toi, tu vas payer cher. Oui, oui, si. On a convenu. D'accord. Donc, il faut que tu la décales, tu t'en rappelles, l'année prochaine, tu la fous pas là. Tu la mets dans du riz que tu as planté très tôt, parce que ce riz-là, ça n'a aucun intérêt. Hein. Même s'il arrive au bout, il faut le semer bien avant. Quoi. Lui, il est semé quoi? Il a même pas épié, il est semé il y a 40 jours. 50? Sensiblement. Tu as la date en tête. Tu as la date. Je semais ça le 28. Je? Mais la levée a retardé. La levée après au moins une semaine et demie. Oh, même plus que ça. Parce que ce riz, s'il avait 2 mois, il serait épié. Il n'est pas épié. Donc, voilà. Enfin, bon, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est cette dolique-là qui va vous aider à résoudre le premier problème ici. Le premier problème, c'est l'herbe, c'est sûr. Bon, vous me dites non, mais moi, je ne vous crois même pas. Je ne vais même pas discuter avec vous. Il y avait un forgeron, et le forgeron, il était vieux, il connaissait toutes les histoires du village. Et un jour, j'ai attrapé des poux. À l'école, on en attrape. Même ici, j'imagine. Et en France, même aujourd'hui, on en attrape. Alors, j'avais des poux. Et puis, le soir, je suis arrivé là-bas à la forge, il tapait sur la forge, on se connaissait bien, il me racontait des histoires, je lui ai dit, j'ai attrapé des poux. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'ils font sur ta tête, là? J'ai dit, ils m'ont mis une bombe, là, pou. Il dit, mais ils sont nuls. Parce que s'ils connaissaient la tradition, on n'a pas besoin de faire ça. J'ai dit, ah bon, comment on fait pour enlever les poux? Il dit, c'est facile. Tu achètes de l'huile de ricin. Tout le monde sait que l'huile de ricin, ça donne la chiasse. Si tu la prends, ça te donne la chiasse. Donc, tu les mets sur ta tête, ça donne la chiasse aux poux. Pendant que les poux vont chier, toi, tu t'en vas. C'est là que la fameuse dolique peut être fantastique. Vous allez planter, tu vois, maintenant, il a tourné ses épis, là. Ok, il a tourné ses épis, tu ne peux pas attendre de le récolter, il n'y aura plus d'eau. Il faudrait commencer à planter la dolique là au milieu. Elle va naître au milieu. Après, on coupe le riz, même si on lui marche un peu dessus, ça ne va pas la tuer. Et elle va venir. Tu vas voir, elle va aller jusqu'au mois de janvier ou février. Alors, elle fera des grains, j'en sais rien, on regardera, parce qu'avec la photopériode, je ne sais pas, il y a des variétés qui bougent un peu là-dessus. Il faut qu'on regarde la blanche et elle se mange. Elle va arriver à un moment où, forcément, hein, au mois de février, qu'est-ce que les mecs ont à bouffer? Ils ont des choses à manger de la récolte précédente, mais avoir des denrées fraîches et des protéines, c'est quand même intéressant. Quoi. Et alors là, on tient les mauvaises herbes. L'année d'après, tu fais ce que tu veux. Tu fais du coton dessus, pas de sarclage. Tu fais du maïs, ça marche. Tu fais du riz, ça marche. Voilà, on est parti. Voilà. Et chaque fois, on remet la dolique en fin de cycle pour qu'elle pompe toute l'eau là et nous fasse une super couverture. Alors vérifiez-le, ça c'est pas difficile à faire, mais on peut le planter dans les parcelles là-bas. Hein. Parce que là, on pourrait faire comme ça. Alors on voit bien où le mec sarcle, quoi. Il commence ici, là ça va. Puis après l'herbe gagne, grandit. Plus il va vers là, moins il contrôle l'herbe et plus il est bouffé, quoi. C'est-à-dire on peut produire 3 tonnes de riz ou 500 kilos. Rien que pour, avec le désherbage décalé,
Le riz, si on n'a pas désherbé dans les 35-40 premiers jours, c'est foutu. On peut produire ici. Bon, moi, je ne suis pas là. C'est dommage que je ne sois pas là. Parce que... Mais je vais vous montrer les photos quand même. On peut produire 7 tonnes de riz ici. Moi, je peux faire 7 tonnes de riz ici. Une année comme celle-là, je n'ai pas de problème aucun avec les riz que vous avez dans les mains. Mais si vous avez de l'herbe dedans, vous allez descendre à 2 tonnes. 5. Oui. Non. 2. Deux. Jusqu'à 2. 2. Ici, derrière toi, là. Et derrière toi, là. Oui. À combien tu crois qu'on est là? Là, là. Où tu es là, regarde le riz là, même hétérogène, regarde devant toi là-bas. Ouais, ouais, là-bas il est plus joli devant, mais ici tu es à 600 kilos. Ouais. Bon, et là-bas on était à 2500 quoi. Je veux dire, ça fait 4 fois plus. Et là-bas, regarde la tâche, quand tu arrives ici, bouge pas, reste ici. Tu vas voir où je veux dire, tu le vois avec les yeux, regarde. Regarde la taille déjà, quand tu arrives ici là, là, là. Viens voir. Je peux venir maintenant là. Hé, regarde. Vous m'avez dit de ne pas bouger. Hé, mec. Ouais, ouais. Bon, mais non, non, mais ici on peut faire 4 tonnes, 5 tonnes de riz avec cette variété très rustique là. Mais si on met des beaux riz qui crachent là, les Sébotas, ils ont de l'eau, il y a tout ce qu'il faut là, ben, ils peuvent faire le double de production. Hein. Mais vous ne pouvez pas travailler dans l'herbe, ça c'est certain ça. Donc vous pouvez essayer le riz, mais vous voyez, on a tout inversé, on s'est trompé. Et ça c'est bon de le savoir quand même qu'on s'est trompé. C'est-à-dire que vous amenez du riz qui est du matériel génétique précieux et qui a un potentiel fabuleux, vous ne savez même pas que vous êtes riche, parce que vous traitez ça comme le reste, vous avez tort, vous avez un trésor dans les mains. Ce trésor, pour l'exprimer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas d'herbe. Eh oui, alors tu as deux façons. Ou tu mets des herbicides, moi j'aime pas trop, si on peut défoncer, on ne pollue pas. Ou tu mets des couvertures de sol. Quelle couverture de sol? Dolique. On va voir ce qu'elle va faire, plante-la maintenant, tu vas voir. Et reviens dans 3 mois, j'attends les photos. Et là, tu verras, l'année prochaine, sur la parcelle de Dolic, où sont les mauvaises herbes. Là, tu n'es pas gêné, quoi. Et là, tu mets du riz, tu n'as pas de sarclage. Et... Pas de sarclage, pas d'azote. Parce que si, comme je le pense, les sols sont profonds ici, avec la réserve d'eau qu'il y a, elle peut arriver à te faire... Elle va aller produire vers le mois de février. Tu peux produire 400-500 kg de Dolic, 600 kg. Bon, c'est pas mal, 600 kg de protéines, comme ça. À un moment où tu n'as pas de légumes frais, tu n'as rien du tout. Et tu vas voir, dessus, elle va te fixer, sur ces mois-là, elle va te fixer 100 unités d'azote. Donc zéro azote. Alors, est-ce qu'il faut qu'on mette un peu de P, un peu de K? On ne voit pas trop de manifestations de carence et de déficience. Je ne sais pas ce qu'il y avait avant sur ces permis, s'ils ont fait beaucoup de coton, beaucoup de... Bon, mais ce que je veux dire, c'est que zéro engrais, zéro sarclage. Et si vous crachez les 5 tonnes, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin de faire de diffusion de technologie. Ok, ouais. Tandis que là, on a besoin d'en faire de la diffusion technologique, on n'y arrive pas et le potentiel des variétés, il est foutu. Non, non, celui-là, on n'en a pas, ça ressemble à 60. Ça peut. Mais bon, il pourrait être plus fermé, plus... Mais enfin, bon, là, ça produit pas. Ça veut dire que si l'agriculteur il n'a rien fait, hein, il a planté, il n'a rien foutu, il va quand même ramasser du riz. Les autres, ils ramassent zéro. C'est intéressant ça. Et puis maintenant, on les reprend toutes. Et puis on dit couverture de sol, j'ai pas besoin de sarclage, je fais zéro sarclage. Et puis je mets de l'azote, et je mets de l'azote, c'est la couverture qui va apporter l'azote. Donc je fais pousser du riz au maxi. Et puis je mets un herbicide, voilà le troisième truc. Voilà trois choses intéressantes. Mais les mettre dans des conditions de grosse pression d'adventice, là tu verras qui se bat contre les adventices. Et quand les paysans voient la variété, elle se défend contre les adventices, ils ont une tendance quand même à dire « celle-là m'intéresse beaucoup ». Elle a un cycle un peu plus long, mais elle n'a pas un matériel local. C'est celle qui est dans tes villages là-bas, des carrés. Ok. C'est la locale. Où est le 63 ici? Alors, c'est très facile si tu veux le trouver. S'il y en a un pied, on va le trouver. D'abord, il est plus court, et deux, il a un grain long. Si tu en trouves. Ça, c'est tout du local. Oui, non. Mais non, mais c'est pas un sabotage. Moi, je ne sélectionne pas de riz avec cette qualité de grain. Avec des grains ronds comme ça. Mais le 63, moi, je ne le vois pas. Là. Couverture avec des couvertures, plus la fertilité. On peut tout résoudre par des couvertures intelligentes. La Dolic en est une. Le stylo Zantès, il faut l'implanter. Maintenant, la qualité des riz, on a vu que tout était mélangé là. Ouais. Donc moi, ça ne m'intéresse pas trop, tu le sais.
Ça, c'est une variété qui vient de Yagua, de je ne sais pas où. Je ne sais pas, de Yagua, je dirais, parce que moi, j'ai travaillé beaucoup à Yagua dans les années 70. Et on avait beaucoup de matériel là-bas. Moi, j'en ai fait rentrer énormément aussi. Et à mon avis, c'est un matériel de Yagua que les gens plantent dans les carrés, là. Dans les yaérés, tu vois, elle est assez costaud, elle est assez grande, elle a un cycle assez... C'en est une, il y en a plein d'autres, il y en a qui sont plus grandes que celle-là. Mais ça, c'est pas du matériel à moi. Pour moi, mon matériel, c'est facile à reconnaître. Hein. À part le B22, tout le reste, c'est des grains longs fins. Donc moi, j'ai pas de matériel comme ça. Donc j'ai pas dit qu'elle était pas bien. Hein. Elle se débrouille bien. Hein. Mais bon, c'est en qualité de grain. Ça, tu peux la faire manger localement, mais à l'exportation, ça l'aurait. Alors que toutes les autres, tu peux les vendre à bouche, si tu veux, tu les envoies aux États-Unis, les gens les achètent. Hein. Bon, tu me diras, on n'est pas encore là. Mais... Bon, on monte à l'ostule. Oui. On en a perdu comme ça un paquet. Alors, on n'a plus mis de mer porteuse dans les grands bracarias. On a mis des taurillons. Alors là, ils grossissent de 600-700 grammes par jour. Par jour. Donc, on se trouve devant une parcelle que nous lançons la production. Parce que, effectivement, depuis hier et depuis dimanche, vous nous parlez des SEV, mais il faut nous parler également des semences parce qu'il faut le trouver ailleurs. Donc en ce moment, nous dépendons beaucoup de la Damawa. Donc pour éviter ces problèmes-là cette année, puisque en projection, nous voulons pour 2009 40 tonnes de bracaria. Donc là-dedans, il y a les producteurs et nous faisons un peu de trucs en régie. Nous sommes à 200 hectares. Ici, on est à 4 hectares et demi. 75, oui, pardon. Donc, on avait voulu prendre ici au moins 10 hectares. On n'a pas eu la chance. Donc, on va voir un peu aussi à Touboro, un peu du côté de Gawa. Donc, sur les 200 hectares, il y a beaucoup de producteurs aussi. 200 hectares, il n'y a que seulement 30 hectares en régie. Le reste, c'est pas les producteurs. Mais à Touboro, nous pensons que l'entrée de SEV, il faut le passer par pour encourager les paysans à produire. Donc, puisque nous essayons de les acheter, l'année dernière, on a acheté sur les 12 tonnes qu'on a pu attraper l'année dernière, les plus de 150, les 50%, plus de 50% c'était de la Damawa. Donc, les 40 autres c'était Touboro. Bon, donc vous allez produire des semences. Question à 1 franc. Ouais. Et l'année prochaine, elle devient quoi cette parcelle? Là, c'est encore un débat, quoi. Parce qu'on Comment est c'est dans, un débat? Parce qu'on est dans un centre. On voulait passer en coton. Ouais. Non, mais il y a c'est aussi, débat, si vous avez des problèmes de semences et qu'il n'y en a pas dans toute la région ici, que vous avez une belle parcelle qui est installée, elle peut produire des semences cette année et l'année prochaine aussi. On peut aussi la maintenir pour produire des semences. Qu'est-ce qu'elle fait cette parcelle? Si l'année prochaine, on la maintient en deuxième année, elle va produire encore des semences, si on en a besoin dans la région, elle est bien installée. Et la deuxième chose, c'est que elle est en train de fabriquer de l'humus, là, de la matière organique, des racines, elle en met en pagaille. Donc elle vous restaure la matière organique de vos sols. Donc pour les sols, c'est plutôt mieux. Ça va faire une sacrée porosité là-dessous après. On pourra mettre un coton la troisième année, par exemple. Mais si tu avais besoin l'année prochaine d'avoir un champ de production de semences, peut-être que tu peux la conserver, cette parcelle-là. Plutôt que de la sacrifier, tu n'en as plus dans le coin, il va falloir aller chercher les semences à Touboro. Donc je serai, moi ça ne me regarde pas, ce n'est pas ma programmation à moi. Mais il faut savoir qu'on peut récolter des semences de bracaria maintenant et que l'année prochaine, il peut encore produire des semences. Tu peux le laisser pendant 3-4 ans pour produire des semences. Moi, je produis 600 kHa. Moi, 600-700 kHa, on produit. Oui, oui, mais il manque d'azote. Ah oui, il manque énormément d'azote. Bon. Voilà, bon, écoutez, donc ça aussi, il faut que vous sachiez que si vous voulez produire des semences, sur une production de semences comme ça, on aurait mis 60 N, rien que l'azote, parce que le phosphore et tout ça, il se démerde, il va produire 40% de semences en plus. Donc il faut peut-être le faire. Et qu'en produisant plus de biomasse, il nourrit encore plus le sol en matière organique, il fait encore plus de porosité, c'est ça qui nous intéresse aussi. Alors on fait d'une pierre deux coups. Il faut choisir des pieds, travailler panicule ligne. Il faut tout refaire, tout le boulot. Donc ça, vous allez quand même mettre à faire ça. Pas à votre niveau, en tout cas. Pas parce que vous n'avez pas le niveau, que vous ne comprenez pas. C'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est pas votre job, quoi. Je veux dire, maintenant, vous avez des riz, vous pouvez les comparer. Des riz fixés. Mais que maintenant, vous rentrez dans de la sélection en riz parce que le matériel n'est pas fixé, c'est une autre histoire. Et si vous n'aviez pas d'autre matériel, à la limite, on comprendrait que vous le fassiez. Mais là, putain, vous êtes gavé jusqu'ici, vous mélangez tout. Alors, il vaudrait mieux se concentrer sur comment ne pas les mélanger, quoi.
Mais là, après, c'est des numéros que j'ai donnés. Alors, espadon, cycle très court, grain très long. Mais ça ne tale pas. Hein, c'est un riz qui ne tale pas. Non, non, il ne tale pas. Donc, ça veut dire, lui, il faut le serrer un peu plus si on veut avoir beaucoup d'épis. Il ne talera pas. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est de venir l'entrer un peu plus cuit. Mais pas à grand. Parce que lui, il est plus pressé que les autres. Donc, si tu lui fais pas ça, tu lui fais pas ça. Je vais effacer ce que tu as dit là. Hier, il y a mis 63 là-bas, il n'y avait là-bas. Que du local. Et il n'y a même pas une panicule de 63 dedans. C'était que du riz local, celui qu'on a vu là-bas, qui pollue tout le monde. Là. Ça, c'est du 63, oui. C'est ça. Voilà, si vous voulez un pied de 63. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est se balader avec des... Mais on va faire ça à Pitois. Il faut acheter des bombes de peinture. Rouges et blanches. Voilà, on passe là-bas, tchit, on va dire, voilà, on prend ce pied-là pour refaire la lignée. D'accord. Mais lui, c'est lui. Ceux qui ont été semés au début, qui sont restés... Ils sont déjà en panicule. Les autres que vous avez repiqués dedans, qui est de la même variété, ils viennent beaucoup plus tard. Tu vois pas toujours pas les épis. Ça a l'air d'être tout mélangé, plus les mélanges qu'il y a dedans. Alors là, les mecs, vous pouvez fermer la boutique. Hein. Ce qui a levé au début, à la date du 11 juin, là, c'est ça. Il est mûr. 3 mois. Il est mûr, celui-là. Et tout le reste, eh ben, on a rebouché les trous. On a... Ouais, ouais. Même là, il y a des mélanges. Quoi. Regarde, ça n'a vraiment rien à voir. Plumelle colorée. Bon, d'ailleurs, le mieux, ce serait de l'arracher. 175. Alors, il y a des mélanges dedans aussi. Il est à Pitois, hein. Ça, c'est un bon riz. Hein. Il est en pluvial, en irrigué, il passe dans toutes les conditions, il est super. Il y a des trucs qui ont mis 60, 45 tales ou 50. Ici, là. C'est pas ce pied-là qu'il faut que tu photographies. C'est celui-là. Celui-là, voilà. Ouais. Celui qui est au coin, là-bas. Tu vois, il y en a un qui est vert foncé que tu vois de l'autre côté, là. Ouais. Ben va là-bas voir le nombre de tiges, tu vas voir. Il y a 50 tiges. Regarde, il y en a un autre pied au milieu, là. Alors là, si j'avais du temps, moi, si j'avais eu une journée, peut-être que c'était utile, je serais venu, j'aurais marqué des pieds, là, pour qu'on sépare des lignées, quoi. C'est bon, je m'en vais. C'est vraiment très rustique, très costaud. C'est comme le 141, sauf qu'il a des cycles plus courts que le 141. Donc c'est un riz pour le Nord Cameroun, ça il faut pas le négliger quoi. Et puis regardez, il tâle, il est magnifique ce riz-là. Bon là ça sort partout parce que ça a dû être piqué, j'en sais rien, mais. Après si vous voulez, moi ce que je peux faire l'exercice, mais bon, ça devrait pas être à moi ça. J'y reviens un peu, donc on peut pas mélanger les riz, il faut de la sélection conservante, c'est autre chose qu'il faudrait faire. Il y a 4 ans que j'ai envoyé ces riz-là, on n'a même pas fait une compétition de cultivar pour savoir quel était le meilleur dans chaque endroit, entre le nord, entre le milieu, entre le truc, ou mettre des compétitions de cultivar, enfin des essais variétaux si vous voulez quoi. Moi j'appelle ça compétition de cultivar, pour les mettre dans le système de semis direct ou dans un système conventionnel et de dire quel est le meilleur ici à Toubourou, quelle est la meilleure variété. Est-ce qu'il y en a une? Il y en a deux. Il vaudrait bien en avoir 2 ou 3 pour les garder s'il y en a une qui flanche après pour avoir du matériel. Mais ici dans le nord, ici, laquelle c'est la meilleure? Dans tel type de milieu, si c'est du pluvial ou si c'est des conditions comme celle-là, les carrés, sur les hardés, quelles sont les meilleures? Il y a des essais variétaux à faire, c'est pas à moi de les faire, je veux dire, mais bon, qui les fait, l'IRAD, je sais pas moi. Mais voilà, moi j'en sais rien, mais je veux dire, je vais revenir dans 15 ans, je vais voir les variétés de plus en plus mélangées. Je vais demander quelle est la meilleure variété si sur les carrés. On dit, ah ben non, elles sont toutes là, regarde, tu choisis ce que tu veux. Non, je veux dire, quelque part, excusez-moi, mais. Moi, ça me désespère un peu, quoi. Ça me désespère pas, mais je me dis, merde, on a du matériel. Je vous ai dit que c'était un trésor, ce matériel-là. Il faut l'amener dans tout le Cameroun. Tôt, jusqu'à l'ouest, Kribi, dans tous les coins du Cameroun. Je connais mieux le Cameroun que vous, tous, réunis. Et vous le savez, ça. J'ai travaillé à Kribi, j'ai travaillé à Bertoua, j'ai travaillé dans le centre du Cameroun, j'ai travaillé dans le Cameroun occidental, dans les plaines. C'est moi qui ai monté le projet Upper Noon Valley Development, qui est là-bas, dans la vallée de Ndop. Oui, tout ça, j'ai monté tout ça. J'ai travaillé à Kribi, dans les projets de Kribi pour monter les VA, pour faire bouffer les populations qu'on avait déplacées là.
pour que les gens... Je connais le Cameroun comme ma poche. Niombé, je connais Niombé à mort, je connais Galim, je connais tous les sols d'altitude, Foumbot, je peux vous citer tout l'Ouest, je travaillais partout. Je connais le Cameroun, je vous dis, prenez ce matériel génétique, amenez-le dans tout le Cameroun. Ça sera un service à rendre aux Camerounais. Parce qu'il n'y a pas d'écologie. Les écologies marginales pour le riz pluvial sont ici. Pas dans ces conditions, je parle du riz pluvial. Et on arrive à faire du beau riz ici. Imaginez là où il pleut. Chez les boulous là-bas, les bassas, les... Hein, où il pleut. Vous imaginez les riz qu'ils vont faire ces gens-là en pluvial dans leur culture traditionnelle. Ils le font en culture associée, on s'en fout. Mais quand même, c'est un gain. On n'avait pas ce matériel il y a 20 ans, quoi. Il y a 30 ans. Aujourd'hui, il est là. Et donc, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que dans chaque milieu, quelles sont les meilleures variétés? Vous en avez... En plus, maintenant, vous en avez combien? Moi, je vais faire le bilan là-bas. Plus les 11 que je viens de ramener, j'en ai le total, moi, de ce que j'ai comme matériel dans mon jardin, il y en a 454. Donc, le riz, on n'est pas gêné, là. Même déjà, avec ce que vous avez en main, vous avez du rab. Et moi, je les mettrai dans le périmètre de Yagua aussi. Parce que là-bas, ils ont des riz irrigués. Prenez ces riz-là, vous allez les battre. Tous les riz qui sont là-bas, vous les battez. Même les riz irrigués qui sont là-bas. Parce que ceux-là, en irrigué, moi je les ai montés à 12 tonnes, 13 tonnes. Vous prenez une boîte d'allumettes, vous l'achetez dessus, elle reste dessus, elle ne tombe pas par terre. Elle est sur les épis comme ça. Il y a le vent qui vient. Le vent vient dans la parcelle, ça fait comme ça. Tout bouge ensemble comme ça, un tout petit peu. Et le vent peut souffler fort. Hein. Les épis, on ne voit pas de feuilles qui bougent. Hein. Il y a tellement de panicules. Je vous dis, une boîte d'allumettes, vous jetez dessus, elle reste. Donc on a des potentiels monstrueux, mais quand ça va mal, ça pousse très bien aussi. Je veux dire, bon, vous avez, je vous répète, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, vous avez un trésor dans les mains. N'abîmez pas, quoi. Bon, primavera et B22. Une semaine à 10 jours maximum. Mais c'est un riz qui, dans les conditions marginales, où il ne pleut pas beaucoup, comme Kaélé, comme ici, cette région extrême nord, il peut pousser dans les sols qu'on a vus le premier jour. Ces sols marron, chocolat, là. Quand on s'est arrêté à côté de Maroua, au nord de Maroua, et bien voilà des riz qui peuvent pousser là-bas. Et ça, c'est un putain de riz, mais lui, il pousse partout dans le Cameroun. J'ai même des riz pour les altitudes de Chang. À Chang, je peux faire pousser du riz où, là où ils mettent leur culture associée, là, leur maïs, macabo. J'ai travaillé là-dessus pendant 8 ans. Je peux dire qu'au milieu, là, on pourrait enlever une partie de ces cultures et mettre du riz pluvial à 1500 mètres d'altitude. Il est fantastique. J'ai maintenant créé ce matériel génétique. J'ai 600 et quelques lignées. Elles sont à Madagascar à 1800 mètres d'altitude jusqu'à 2000 mètres. Donc on a des nouveautés. Si ça intéresse le Cameroun, qu'ils me le disent. Je ramènerai aussi des variétés pour l'Ouest Cameroun, pour qu'ils plantent là-haut dans le pays Bamileke. Ça enrichira aussi, c'est une option de plus. Moi je ne sais pas. Si vous voulez, il y a vraiment des choses très nouvelles. Et ces riz-là, ils sont fabuleux. Vous voyez les touffes, là, quand il est sorti, c'est la première date de semis, c'est celui qui a plié ses épis, là, déjà. Vous voyez un peu le riz qui est là-dedans. Et je vous dis, si vous ne me croyez pas, essayez-le. Vous allez là-bas à Yagua, vous partez avec toutes les sébotages. Je vais vous les donner, moi, la liste, là. Vous allez là-bas à Yagua, et quand ils vont repiquer, ils font les pépinières avec ces riz-là purs, et les repiquent. Et on va voir qui va battre les sébotas là-bas dans le périmètre de Yagua. Et vous les mettez dans des parcelles où on ne contrôle pas l'eau. Parce que bon, le périmètre, il se pète, il est un peu en... Je sais pas, je ne l'ai pas revu depuis un moment, mais bon, il y a eu des gros problèmes sur ces périmètres-là. Et là où ils ne contrôlent pas l'eau, mais les sébotas vont mettre 10 à 0. Parce qu'eux, ils poussent en pluvial. Alors que, c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin d'une lame d'eau tout le temps. Ils s'en foutent. Donc là, vous avez un patrimoine abrasif pour les tuyaux des usines. Tout ce qui est métallique, ça use plus vite. Alors, ils veulent pas, ils aiment pas trop quand les variétés ont ces arrestations au bout du grain. Il y en a qui peuvent être beaucoup plus longues que ça. Et ça, c'est abrasif. Donc, ça use un peu plus vite les pièces des usines. Je me rappelle. Oui. C'était dans la Bible de 2600. Mm-hmm. Le deuxième, c'est la production des vivriers et du fourrage. Mm-hmm. Le troisième, c'est du mousquari et fourrage tardif, en utilisant le stylo et le bracaria. Le quatrième, c'est juste le témoin, c'est-à-dire pratique de producteur. D'accord. Vous n'oubliez pas un truc, je le recomplète, parce que hier on était avec les pieds dedans, ça ne va pas prendre longtemps, mais je vous le répète. Il y a des identités remarquables entre les milieux, même si hier où on était, ce n'était pas un carré. Il y a des trucs qui ressemblent quand même beaucoup. Hier, où on voyait les beaux cotons là, dans les périmètres là-bas, après les cailloux là, hein, où on s'est arrêté un bon moment. Donc je vous ai dit, je vous ai parlé de la mucuna. Et je vous ai dit, même pour la mucuna, tu peux faire la même chose. C'est essayer de la redécaler là, dans le propre mousquari. Ouais, ouais, tant pis, elle lui bouffera de l'eau, on va voir ce que ça fait. Parce que plus ça va être sec et plus elle va se débrouiller avec de l'eau, elle. Ok ? Alors que là, s'il y a des années où il pleut énormément, regarde où c'est peut-être un peu plus bas, ça va la gêner pour pousser. Et la dolique,
il faut refaire une parcelle ici avec de la dolique. Elle y est, ben, la voilà. Mais regardez la dolique, ce que je suis en train de dire. Mais si tu la sèmes plus tard, là, il faut faire quelque chose dans les semis de dolique pour voir jusqu'où, sur des carrés, on peut semer en dolique. C'est-à-dire que si tu la sèmes plus tard, elle ne fera pas de compétition aux cultures que tu as. Et elle, elle va profiter de ce qui reste d'eau dans le sol, elle est capable de le faire. Alors donc, il faut décaler les dates de semis, comme j'ai dit hier, pour la zone de là-bas. Donc, on en faut... a fait ici. On va voir ça. Bon, mais vas-y, cours. Putain, avec tes grands pieds, ça fait 40 sur toutes les cultures. Faire un petit drain, c'est-à-dire tu creuses un petit canal de cette largeur, un machin comme ça, pour que l'eau en excès, elle descende dans le canal. Et puis ça permet de réoxygéner la superficie. Là, ça va être plus costaud et plus homogène. Il y a un bout de fer qui passe ici, de 3 cm de large, qui repasse dessous ici, qui fait comme ça. Tu prends les épis, clac, 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 tu as la paille debout, tu fauches la paille et tu fais un mulch. Pas de mauvaise herbe pour l'année prochaine. Et oui. Et tu gardes mieux l'eau qui est dans le sol pour la saison sèche qui vient devant. Voilà. Bon. 70 jours de cycle. Donc eux, avec l'eau qui reste là, et maintenant la pluie va commencer à freiner, quoi, hein, s'arrêter, et les nuits sont un peu plus fraîches, quoi. Les nuits. Et le haricot aime ça. Et tu as des variétés de haricots, tu pourrais faire un petit cycle de haricots là derrière, c'est sympa, non? C'est des protéines de super qualité, quoi. Faudrait essayer quelques variétés. Mais tu vois, les semer maintenant, il va jusqu'au bout, on verra. Il met des gousses, il n'en met pas, mais c'est des cycles très courts et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, quoi. Et ils vont la pomper dans le sol, il y en a de l'eau là dans le sol, il y a une sacrée réserve d'eau. Moi j'essaierai un truc comme ça, ça te permet, le mungo que tu as montré hier, oui. Même chose. Tu pourrais le mettre là aussi, il va couvrir le sol sur un cycle court. Le striata là, qu'on a vu hier, le Phaseolus striata, que tu appelais Mungo. Oui. Ben voilà, là il y a des collections aussi entières à Madagascar. Hein, il y en a 50 ou 60 variétés hein, de ce matériel là, qui ont des aptitudes différentes avec des cycles différents. D'accord? Mais moi j'essaierai là, tu vois, je mettrai un haricot là, maintenant là. Si tu avais des haricots, on en a des haricots? Oui, on a des grains. Le Mungo, on a des grains. Non, mais je parle du haricot, Phaseolus. Haricot. Des beaux grains, des gros grains, des haricots là. Des rouges, des blancs, des... Vous n'avez pas ça? Peut-être la pitoise, c'est pas si on peut... Bon, on verra. S'il y en a, pensez-y. C'est maintenant qu'il faudrait les planter. Et on verra s'ils vont au bout. Les haricots, des Phaseolus. Phaseolus, parce que la pression des maladies, maintenant, ça devient de plus en plus sec et il y a de l'eau dessous. Et les nuits sont un petit peu plus fraîches, relativement, quand la saison sèche va commencer. Et ça, c'est des conditions qui conviennent bien aux haricots. Et sur 70 jours, ils te bouclent un cycle. Hein. Donc, c'est très vite fait, quoi. Très, très vite fait, quoi. Et là, d'un seul coup, ça peut être un miracle. Hein. Tu plantes là-dessus et tu peux faire du haricot partout. Il faut essayer. Et quelle variété on va mettre, voilà. Alors les variétés, si vous ne les avez pas, je vais... Tu vois que le mouche-coirie réagit de la même manière, regarde. On est sur un point haut ici. Là, on descend, je descends. Voilà, maintenant tout ça, c'est pareil. Regarde. Le point haut, il respire mieux. Eh bien, il préfère ça. D'ailleurs, si on le repique à la fin des pluies, c'est pour la même raison. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses un petit drain autour des parcelles. Pense-y maintenant, c'est systématique ça. Tu fais un petit drain, comme ça l'eau en excès, hop, elle descend dans le petit drain qui est autour là, et ça va oxygéner le mouche-coirie. Il va être plus près de ça que de ça. Et ça va l'homogénéiser. Enfin, c'est un détail. C'est... Non, c'est un groupe ou je sais pas quoi. C'est quoi? Angola, il faut marquer. Il y a marqué Angola. Non mais vous rigolez? Angopa. C'est Angopa, oui. Pas Angola. Putain, Angola, je l'ai pas. On me l'a volé. Angopa. Ah oui. Angopa, c'est le nom d'une société d'une entreprise de recherche de l'État de Goiás. C'est la structure de recherche de l'État de Goiás. Et tout leur nom, c'est. Alors ça, c'est des variétés qui vont où? Toutes les Angopa que vous avez ici, 304, 305, je ne sais pas quoi d'autre là. Ça, c'est du matériel qui va dans toute la Damawa. Fantastique. Pour la Damawa. Tout ça, c'est de l'or. Ça produit des 3 tonnes au Brésil, dans les mêmes régions que la Damawa. C'est vrai. Et Tumboro, hein. Tumboro aussi. Hein. C'est ces variétés-là qu'il faut amener. Tiens, j'ai même pas regardé la collection, mais bon, j'en ai pas vu tout le monde. On les verra à Pitoa, non? Ça. Tumboro, tel endroit, Pichoa, machin truc. Maintenant, moi, je vais faire la ventilation. Eh oui. On aurait dû les prendre, les multiplier, puis faire des essais variétaux dans chaque endroit. Bon. Non, le problème, c'est qu'on était parti de très peu. Oui, non, mais je sais bien. Mais après, ça va quand même à vite. Mais dans un cas comme ça, ça va lentement, parce qu'elle est dans un milieu qui n'est pas forcément le sien, encore qu'elles sont très très belles, ces variétés, regarde. Elles sont chargées, c'est du matériel magnifique. Hein. Regarde. Et alors que là, ils poussent dans l'eau. Tu as vu les soja pousser dans l'eau, toi? Oui, non, mais ça, c'est sûr. Il est venu de l'eau derrière. Entre un point un peu plus haut, un peu plus bas, la semence était dessous, plus de l'eau dessus, elle ne germe pas. Celle qui était juste un peu au-dessus, qui n'était pas avec de l'eau sur sa tête,
Elle est sortie, bon, ben, c'est des trucs classiques. C'est pour ça que toutes les cultures pluviales, il faut faire un petit drain autour des parcelles. Tu vois, tu creuses un petit drain, ça va drainer les 7-8 premiers centimètres très vite. Et là, tout sort mieux. On va gagner beaucoup, rien qu'avec une petite technique comme ça. Bon, allez les mecs, on y va. C'est bien les problèmes que nous avons sur le soja là. Qu'est-ce que vous avez? Ça s'ouvre tôt avant que le planteur ait le temps de récolter. Les nôtres? Non, les 304? Non, 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 je demande. L'ingopa. Moi, c'est avec son air. L'ingopa, non. Non, 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 elle n'est pas déhissante. Non, non, non. Aucune des variétés que j'ai amenées sont déhissantes. Aucune. Ça veut dire que nous, quand elles sont mûres, on fait plus même. Imaginez qu'au Brésil, il y a. On en est à combien? À 15 millions. 3. Non, on est plus, on est à 23 millions d'hectares, quand même. C'est peut-être significatif. Ouais. Et bien là-dessus, les ingopas et les autres, tout ce que je vous ai amené comme matériel, on les dessèche, parce qu'il pleut quand on récolte. Pour que les moissonneuses batteuses arrivent, on passe un diquat dessus. Le diquat, c'est du réglone. Ça sèche la plante. Alors quand on sèche la plante, si elles étaient déhissantes, au moment où vous la séchez, il faut récolter très très vite derrière. Quoi. Aussitôt qu'il ne pleut plus là, et bien même sous, pourvu que l'eau s'arrête, comme il pleuvait hier, là, l'eau s'arrête, l'après-midi, on commence à récolter. Hein. Avec des moissonneuses batteuses. Et donc, si les matériels étaient déhissants, vous imaginez bien qu'on ne ramasserait pas un pied, parce que quand on met un disséquant, eh bien, les gousses explosent tout de suite. Donc, tout le matériel que moi j'amène ici, il n'est pas déhissant. Hein. Ah non, là, vous pouvez dormir tranquille. Bon, moi, je vais vous le reventiler, le matériel. À Pitoa, il faut qu'on passe un moment, je vais vous dire ces variétés, ces variétés, amenez-les à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Celles-là, mettez-les plutôt là, et je vais vous aider à les trier, quoi. Si vous voulez, hein, mais non. Sinon, ben, vous les laissez à Pitoa, quoi. Et les laisser à Pitoa, ils sont bien à Pitoa. On les refait tous les ans. Regarde l'homme des semences, Ismar. Regardez, il y a... Bon, c'est un pied isolé, bien sûr, on ne peut pas conclure là-dessus, mais c'est des variétés qui produisent, leur potentiel est entre 3 et 4 tonnes, 4 tonnes 2. Voilà. Et donc, vous avez une diversité, j'en avais amené 34, je ne sais pas combien, moi. Plus celle d'Angola, là, dont vous parliez tout à l'heure, qu'on m'a piqué, et qui est un cycle encore plus court, mais que je vais vous renvoyer. J'ai beaucoup de choses à renvoyer, je pense que je vais passer ma vie maintenant à faire ça. C'est à vous ramener du matériel que j'ai fait. Et l'année d'après, je viendrai pour gueuler parce que vous l'avez mélangé. Quoi. J'en ramène du nouveau, l'année d'après, je viens, je gueule. L'année après, j'en ramène encore, après je regueule. C'est super, non? On attendra que je vienne avec, en disant quand est-ce qu'il arrive, qu'on rigole. Je ne sais pas d'abord. Moi, je suis seulement. Là-bas dans cette parcelle qui est à 30 mètres de là, où ça a été sarclé comme il faut au bon moment où on a mis du boulot, là-bas ils ont 5-6 tonnes de riz. Où tu as vu 6 tonnes de riz? Va à Yagua même, dans les parcelles où le repiquage, le machin, les D6 et les machins, ils n'y arrivent pas. Tu vois le potentiel qu'il y a ici, il y a des milliers d'hectares, on te dit qu'on meurt de faim ici, que je sais pas quoi, que les sols sont bousillés, que les sols ferrugineux où on a mis le coton, on a tout bousillé, c'est surexploité, mais c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne peut pas un peu décompresser ces sols-là pour exploiter cela? Même s'il y a des problèmes fonciers, ça c'est pas mon problème, c'est les lamidos, c'est le pouvoir local, mais c'est ces gens-là qu'il faut convaincre. Et je veux dire, regarde, il y a des millions, on pourrait produire, on nourrir tout le Cameroun à partir d'ici. C'est là où tu vois la force d'un germoplasme. Je te dis, si tu n'as pas peur, si tu as des non, bottes, moi, va voir ce riz là-bas. Et merci, tu me tires des photos. Et tu refermes aussitôt que tu as tiré les photos parce que c'est des piles que j'ai dedans, moi. D'accord, il est bon, là tu as qu'à juste ouvrir ici, clac, oui. Et puis tu me tires plusieurs photos de ce truc là-bas, s'il te plaît. Parfait. Tu tombes pas dans l'eau avec, hein. On a affaire, docteur. On peut sauver l'humanité. Non, vraiment, avec tout ce qu'on a vu là. Tout ce qu'on a vu. L'espace de libre là du côté de Gaza. Ouais. Libre du côté de Gaza. On va avoir plein de dolique et planter de la dolique partout. Ok? D'accord. Parce que la dolique va pousser en saison machin, elle va couvrir. Et l'année prochaine, on n'a pas d'herbe. Et là, on fait que du riz comme ça, sans travail. C'est ça qu'on fait, si on n'est pas capable de faire ça, les mecs. Ou alors, on utilise un herbicide. Les herbicides, il y en a. Alors, il faut s'y prendre maintenant, les commander, les avoir, le montrer aux mecs. Mais je veux dire, moi, je ne veux pas utiliser l'herbicide. Je veux utiliser quoi? Des couvertures. La dolique en est une.
Et je remettrai du stylo aussi, mais du vrai, avec des semences qui germent, tu vois, des trucs simples. Et c'est pas beau ça. Il y a des trous. C'est dommage. Non mais moi je me marre. Mais je suis obligé de rire. Parce que quand on discute entre nous après, je parle pas de ces sols-là. Mais on te dit que quand on était sur des terroirs comme hier, on dit ah oui, moi je voudrais faire du. Je vais mettre du braquarien. Je dis ah non, 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 non. Le braquarien, on fait rien ici avec ça. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Non, 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 on veut cultiver tous les ans sur les parcelles, toute la surface. Et on produit quoi? De la merde. Ouais. Et on aurait pu produire 4 fois plus sur la moitié de la surface. Et sans travailler. Alors je veux dire, réfléchissons à ce que nous sommes en train de faire, quoi. Ici, on voit que quand on est devant ce riz-là, si on avait bouché ces trous-là, moi je vous le dis, je le connais bien, on peut monter à 7 tonnes hectares avec ce riz-là. Tranquille, s'il était bien fermé, il n'y a pas de trou là, s'il n'y avait pas ces trous-là, il fait 7 tonnes. C'est pas bien 7 tonnes, vous avez vu faire 7 tonnes où vous? En dehors des périmètres irrigués où tout le monde repique, où il faut la lame d'eau, le... Mais c'est des miracles ça, je vous ai parlé des miracles hier, les voilà. Les voilà, celui-là il est presque bon. Là-bas où il est, là-bas, c'est encore mieux. Mais tu vois, je ne savais pas que je pouvais, j'avais un acquis. Et là, un substitut. Je vais en tirer d'autres. Tu vois, c'est dommage qu'il y ait des trous, quoi. Là, on voit quand même le potentiel. Ça, c'est 282. Et 282, moi, je vous dis que dans la série que j'ai amenée, il y a des riz qui produisent beaucoup plus dans les mêmes conditions ici. Et que si on les soignait, si on contrôlait l'herbe et tout ça, on pourrait exprimer des 7, des 8 tonnes. Mais c'est incroyable, quoi. On n'a pas d'aménagement hydraulique. Je vous dis que le Cameroun devrait profiter de tout ce matériel génétique, alors qu'on est en train de le mélanger. Et celui-là, regarde. Et en plus, on a des cycles échelonnés. On a des riz. Alors celui-là, il a... J'ai amené ses enfants à celui-là, qui sont beaucoup plus productifs que lui. Mais celui-là, c'est pareil, il a eu un problème d'herbe, de trucs, de... Vous avez vu que les endroits où il est serré, attention, il fait 4 tonnes et demie ce riz-là. Tiens. Et un riz en combien de jours? Donc tu commences à récolter celui-là, tu pourrais semer 3 riz échelonnés pour pouvoir faire tes récoltes échelonnées. Mieux utiliser la force de travail, quoi. Je veux dire, mais... Et les mecs, vous avez des fortunes en main et on les maltraite. Nous avons des fortunes. Bon, moi je vous le dis, mais bon. Je vais peut-être... Regarde ça. Franchement. Non, mais c'est pas sérieux. Il est payé. Non, mais bon, on dit ça, mais bon. Moi, quand même, ça fait plusieurs années que je viens, que je dis, et... On va en prendre... Là, t'es en face, maintenant. Regarde là. Ça. Vraiment. On peut estimer ça à 6 tonnes. Voilà. C'est ça. Là, tu as 6, 6,5. Mais il y a quelques petits trous, il faut faire attention, parce que les petits trous, ça te descend vite. Le... Mais s'il n'y avait vraiment pas de trous, c'est ça. Six tonnes avec un de mon peinard. Sarclage, par exemple. Ouais. On les met là. Quelles sont les variétés qui supportent le mieux l'enherbement là? Tu veux pas en mettre? Eh ben bon, tu perdras beaucoup de production, mais au moins tu as une variété qui résiste, qui lutte contre les mauvaises herbes. La 1, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, la parfumée. Voilà. Ensuite, herbicide, parce que la première année, on n'a rien pour mettre. Mais on va monter les couvertures. Les couvertures, c'est maintenant qu'il faut les mettre. Il faut mettre des doliques ici au milieu. En plus, ça va leur donner des protéines au mois de février. Voilà. Et puis les doliques vont bouffer tout le sol. Elles vont faire une grosse couche comme ça. Et là, les mauvaises herbes, plus de mauvaises herbes. L'année prochaine, dans la couverture d'olique, on sème le riz, il n'y a plus de travail. Et il sera tout comme ça. Sans travail. Tu imagines? Sans travail. Alors que là, il y a des endroits, ils ont sarclé 4 fois. Produire 5 fois pour produire quoi? Ici, là. Tu produis quoi? 500 kilos, 300 kilos, alors qu'on peut produire 5, 6 tonnes. Une grande terre. Bon, enfin. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends les variétés. Moi, je vais vous les choisir. Tu en prends 15 et tu fais une compétition de cultivar. Pareil, dans la même condition. Herbicide, tout pas de mauvaises herbes qui interviennent, ou couverture de dolique. Je préfère la couverture de dolique à l'herbicide, mais tant que tu n'as pas de la couverture partout, comment tu vas faire? C'est maintenant qu'il faut la mettre, la dolique. Et là, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas choisir les meilleurs ici, dans un village à, je sais pas, à 70 km de plus. Le sol est un peu différent. Déjà, on va voir quelle est la meilleure variété. Les paysans vont les voir, les variétés là. En plein milieu de leur terroir, ils vont dire, mais tu vois, celle-là, elle est bien, on la plante partout, mais celle-là, elle a l'air encore mieux, on va commencer à la diffuser. Voilà, là, on est en train de faire du super boulot, et en même temps, on a des G0 et des trucs. Dans ce carré qu'on a loué, nous, on fait des G0 ici. Je veux dire, pourquoi trimballer les camionnettes pleines de riz, de sacs de riz, de machins qui viennent de tout le bourreau où tu veux, alors que tu peux le faire ici. Et les paysans vont apprendre à le faire. Et les paysans ont des yeux que souvent les chercheurs n'ont pas.
Et eux, ils vont pas mélanger les trucs quand ils ont vu comment on fait ça. Voilà un boulot simple, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Là, voilà, ici, tu vois, dans ces proches-là, il y a oui, ça dit, c'est beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de bébé, il y a des problèmes d'entretien. Il y a des mauvaises habitudes. Attends, c'est de ce côté-là qu'il y a. Là, il est max. Là, il est pratiquement au max. C'est son potentiel, là. Je fais ça pour avoir une. Hein? Là, il est pas. Il y a 50% de riz en plus, juste de l'autre côté là. Derrière Dumba. Là, derrière toi. Il y a beaucoup plus de riz là que là. Là, si tu es au-dessus, il y a des trous. D'accord? Mais bon, il est beau quand même, hein, il est beau. Mais il pourrait être beaucoup plus serré. Nina. C'est pas perpendiculaire sur l'appareil. C'est comme ça que le deuxième pas et puis voilà. Mais celui-là, ça c'est le plus expérimentateur. Parce qu'il va gagner quelque chose et tout et tout. Il est là. Comment dire qu'il entretient sa parcelle quoi. L'absence. Il y a du monde. Hein. Mais tu vois, on pourrait faire des passes. On va en faire dans le lit de la rivière. Ils vont porter le sol. Bakar hati lembut.